Gaming Girl, saison 1, épisode 1, partie 2, des concurrentes de Adopt-A-Me. Alors, je vais t'attribuer un 4 sur 10. Vraiment désolée, Isabella, sauf que les fashion poses n'étaient pas très présentées. D'accord, c'est pas grave. Je vais t'attribuer un 1 sur 10. Vraiment désolée, je n'ai vraiment pas apprécié. Peut-être que c'était seulement pas mon type de fashion pose. C'est pas grave, au moins vous êtes participante. Merci à vous quand même. Merci à vous les juges. Alors maintenant, veuillez accueillir chaleureusement Lola et une dernière petite perspective. Isabella a eu 15 sur 30. Merci à vous. Oh, je sais vraiment pas si je suis prête. Je suis la dernière à passer quand même. Je dois me préparer. Voilà, là c'est bon. J'ai le stress qui me monte à la tête. Mais là, je crois qu'il faut... Je vais maquiller. Enfin, je vais essayer de faire vite. Voilà, c'est bon. J'ai passé 30 secondes sur mon maquillage. Et non, mes cheveux, ils sont parfaits comme ça. C'est parti, il faut que je me présente. J'ai pas le choix. J'ai juste trop peur de rentrer dans la salle. Alors maintenant, veuillez accueillir chaleureusement Lola pour la danse, la dernière participante. Et ensuite, on désignera la gagnante d'ici pour la dernière round. Merci à vous de m'accueillir. Ça y est, je me lance. Et voilà, c'était tout. Merci à toi, Lola. Maintenant, voyons voir qu'est-ce que les juges n'en pensent. Alors, je vais t'attribuer la note de 10 sur 10. Bravo à toi, Lola. Merci, merci. Moi, je vais t'attribuer la note de 3 sur 10. Vraiment désolée, ce n'était peut-être pas mon style de danse. Je préfère le breakdance. D'accord, ça doit être acceptable. Moi, Emma Dubanowski, je vais t'attribuer